Jonathan, on vous souhaite la bienvenue au Mouridia. Jonathan, vous avez conclu la signature aujourd'hui avec le Mouridia Alger pour 2 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé pour signer au Mouridia? Je ne pense pas que j'ai besoin de m'expliquer concernant le choix, puisque je m'adresse à des supporters qui connaissent l'étendue de la réputation de ce club antique. Ça parle de soi-même. Le MCA, c'est un grand club. Le monde entier connaît le doyen du football algérien. C'est un honneur pour moi, tout simplement. Voilà. Dès que j'ai eu la chance de pouvoir être contacté par les dirigeants, je me suis dit que si on s'entendait, il n'y aurait pas d'autre choix qui s'imposerait à moi. On s'est entendu, j'ai vu manifestement l'honnêteté des dirigeants, j'ai vu leur intérêt, donc pour moi c'était suffisant. Quelles sont vos ambitions, Mouridia? Mes ambitions? J'espère grandir en même temps que le club, j'espère qu'on fera une grande saison, j'espère faire une grande saison et que le club finisse champion dans les 3 premiers, c'est le minimum je pense qu'on puisse exiger d'un club comme celui-ci. Une autre question, Jonathan, Mouridia, il y a deux bons gardiens ouais, comme Chahel et Chaouchi. Comment trouvez-vous cette concurrence? C'est super. Je pense que si j'étais arrivé dans un club où j'étais un gardien et qu'il n'y en avait pas d'autres, je m'inquiéterais. La concurrence, c'est toujours quelque chose qui m'a fait avancer, qui me plaît. Je suis quelqu'un qui aime se bagarrer sur le terrain, pas en dehors, qu'on soit clair. En dehors, j'espère qu'on sera des amis, on fait partie de la même famille. Maintenant, sur le terrain, comme je l'ai dit et je le répète pour que le message soit clair, apparemment, les experts de la communication, c'est comme ça qu'ils font. Je suis ni Bouffon ni Casillas, je suis Jonathan et avec mes qualités, je m'imposerai sur le terrain. Est-ce que vous avez votre petite idée sur l'effectif du Mouridia? J'entends les recrutements actuellement, j'entends les départs. J'ai joué contre le Mouridia, donc je connais certains joueurs, certains franco, et je connais les capacités de ce groupe. Maintenant, je vais suivre aussi l'évolution des recrutements et découvrir le nouvel effectif dans les 2 semaines à venir, puisque la reprise est pour bientôt. Une idée sur le supporter du Mouridia? Ça parle de soi-même aussi. J'ai entendu qu'il était quasi officiel qu'on jouerait au 5 juillet. Quand on m'en a parlé, je me suis dit que ça serait fantastique. C'est quelque chose qui marque la vie d'un homme avant de marquer sa carrière. J'ai hâte de me retrouver au milieu. Je sais que le Mouridia a eu l'habitude d'avoir un gardien qui aimait le spectacle et c'est tout à son honneur. Je trouve que le football, c'est un spectacle et je suis comme ça aussi. J'ai envie de partager les moments de fête avec eux, j'ai envie qu'on soit tous ensemble, qu'on partage des rires et des sourires, qu'on profite de la vie et du football ensemble. Connaissez-vous aussi la pression du supporter du Mouridia? C'est quelque chose qui est bon, la pression, ça doit être positif. Je m'en sers à bon escient et j'ai hâte de la découvrir. Ok, on vous souhaite bonne chance. Bonjour à tous les supporters et à très bientôt sur le terrain. Inch'Allah, à bientôt. Ciao.